Quand quelque chose se pose sur la Terre, on dit qu'il atterrit. Donc, sur le même principe, quand quelque chose se pose sur la Lune, on dit qu'il a luni. Mais du coup, sur Mars, est-ce qu'on a Marsi? Sur Vénus, on a Vénusie? On a Mercury? On a Jupiteri? Ah non, ça on peut pas parce que c'est une planète gazeuse. Mais on peut Aiorir, Aeropir, Aganimédir, Akalistoïr, Amimacir, Aenceladir, Athétisir, Atitanir ou encore Aplutonir. Subitement, Alunir devient un peu bizarre. Tout s'éclaircit quand on passe en anglais. L'anglais fait la différence entre la Terre, la planète, qui se dit Earth, et la Terre, le terrain, le sol, qui se dit Land. En anglais, quand on se pose sur du land, on fait un landing, que ce soit sur Terre ou sur la Lune ou ailleurs. On back right. Okay, engine stop. Tranquility base here. The Eagle has landed. En français, la planète et le sol utilisent le même mot, la Terre et la Terre. La planète ayant une majuscule parce que c'est un nom propre, et le sol non, parce que c'est un nom commun. On devrait donc dire toucher le sol de la Lune, c'est-à-dire D'un atterrissage sur la Lune.